Assalamu alaykoum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors maintenant on passe à la règle numéro 4. Alors qu'est-ce qu'il nous demande? Alors règle numéro 4. Alors si V est une fonction non nulle sur un intervalle I, alors donc la dérivée de quoi? D est l'inverse 1 sur V, donc sa dérivée égale quoi? Égale à moins le moins V prime sur V au carré. Ok, alors on ne sache que la fonction V reste une fonction dérivable. La condition la fonction V doit être non nulle. Elle est déjà dans le dénominateur. On peut juste commencer à la zéro. C'est bon. Donc on dit la règle numéro 1. Alors toujours dans la règle numéro 4. Alors on a deux formules. On a la première. On a déjà parlé de la première formule. Alors maintenant, on parle de la deuxième formule. Donc ici, on a une fonction U sur V, yani le quotient de deux fonctions. Ok, le quotient de deux fonctions. Alors U sur V, donc sa fonction dérivée égale à quoi? Égale à U prime fois V moins V prime fois U sur V au carré. Donc c'est-à-dire la dérivée de U sur V égale à quoi? Égale à U prime fois V moins V prime fois U moins V sur V au carré. Alors toujours, on a la condition V de X doit être différent de 0 pour tout X appartenant à l'intervalle. Alors maintenant, on va travailler sur deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple d'application pour la première règle de la règle numéro 4. Et le deuxième exemple, donc, c'est-à-dire on va appliquer la deuxième formule de la règle numéro 4. C'est bon ? Alors dans cet exemple, là, il nous donne soit f de x égale à quoi? Égale à 1 sur 1 plus x au carré. Alors il vous demande calculer la dérivée de f, c'est-à-dire f prime. Alors on remarque quoi? Que f de x s'écrit sous la forme de quoi? De 1 sur v. Bien sûr, avec notre v de x, je n'ai rien. C'est 1 plus x au carré. C'est bon? Alors, donc, la première chose à vérifier, est-ce que x au carré plus 1 est différent de 0? Bien sûr que oui. Alors, on a quel que soit, ou bien pour tout x appartenant à R, x au carré plus 1 est différent de 0. C'est bon? Alors on applique la formule. Alors f prime de x égale à quoi? Égale à 1 sur x au carré plus 1 prime. Alors on applique la formule qu'on vient de voir. Égale à quoi? Égale à moins x au carré plus 1 sur quoi? Sur x au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire, on applique la formule. Alors, la formule, c'est-à-dire, l'expression, c'est notre U. C'est notre V. Ok, voilà, c'est notre V. Donc, V prime, c'est bon? Donc, V prime. C'est-à-dire, V prime sur V au carré. On va tâcher le 6 moins. Alors, moins, alors la dérivée de x au carré, donc c'est 2x. C'est bon, la dérivée de 1, c'est 0. Sur, bien sûr, le dénominateur, il y a x au carré plus 1 au carré. C'est bon, donc c'est notre f prime de x, bien sûr, pour alors, tout x appartenant à R. Alors, on passe à l'exemple numéro 2. Alors maintenant, on passe à l'exemple numéro 2. Alors, soit f de x égale à quoi? Égale à x au carré sur x plus 1. Alors, il nous demande, on calcule la dérivée de f, c'est-à-dire f prime. Alors, on commence. Donc, on a f de x égale à quoi? Égale à x au carré sur x plus 1, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme. Il y a une fonction rationnelle.
Alors, cette fonction rationnelle est toujours dérivable sur son domaine de définition, donc elle est définie pour tout x appartenant à R privé de moins 1. Alors, pour que cette fonction soit définie dérivable, il faut que quoi? Le dénominateur d'R1 donc, doit être différent de 0, c'est-à-dire x plus. Alors, x plus 1 doit être différent de quoi? De 0, c'est-à-dire x différent de quoi? De moins 1. C'est bon? Alors, f' égale à quoi? Donc c'est la dérivée de quoi? De x au carré sur x plus 1. Donc cette fonction est sur la forme de quoi? De u sur v. Bien sûr, avec quoi? Avec u, c'est x au carré. C'est bon? Et v, c'est quoi? C'est x plus 1. Alors la dérivée de x au carré, elle est une propriété égale à quoi? Égale à 2x. Et la dérivée de x plus 1 égale à quoi? Égale à 1. C'est bon? Alors on remplace. Donc la dérivée de u sur v égale à quoi? Égale à u prime fois v moins v prime fois u. Sur quoi? Sur x plus 1 au carré, c'est-à-dire sur v au carré. Alors on remplace chaque dérivée avec son expression, donc c'est-à-dire x au carré, sa dérivée c'est x, 2x, fois x plus 1, fois 1, là on a un 1, donc fois 1, fois x au carré, c'est-à-dire moins 1, fois x au carré, c'est-à-dire moins x au carré. Alors on développe, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est 2x au carré plus 2x moins x au carré sur x plus 1 au carré. Alors, ce dénominateur, ce n'est pas la peine de le développer. On fait un bête. Alors, toujours dans une fonction rationnelle, alors ce n'est pas la peine de développer l'expression du dénominateur. Alors, donc, d'où? Alors, f' de x égale à quoi? Égale à x au carré plus 2x sur x plus 1 au carré, bien sûr, pour tout x appartenant à R privé de moins 1. Et merci.